Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'un hauban sur un bateau. Les haubans vont par paire, en général, il y en a un de chaque côté, et ce sont des filets en métal, en général, qui permettent de tenir le mât en latéral. Le mât, nous l'avons vu dans un autre cours, est une partie principale du bateau qui maintient les voiles, et donc les haubans permettent donc de maintenir le mât du bateau. Donc nous avons en général un hauban principal de chaque côté, qui permet en plus au niveau de l'étage de barre de flèche de monter encore plus haut et s'arrête en tête de mât. Ça, c'est le hauban principal. Il y en a un de chaque bord et permet donc de tenir le mât en latéral sur le bateau. Nous pouvons avoir aussi d'autres haubans qui vont eux avoir aussi un rôle de tenir le mât en latéral, mais aussi qui vont être plus avancés ou plus reculés que les haubans principaux. Et ceux-ci sont appelés les bas haubans. Ils s'arrêtent en général au premier étage de barre de flèche et permettent de tenir donc en latéral le mât, mais aussi d'éviter qu'il avance trop ou qu'il recule trop. Ceci permet entre autres de régler le bateau et enfin de régler la grand-voile. Voilà donc ce que sont les haubans sur les bateaux.